Et salut à tous, donc on se retrouve pour l'épisode 9 du défi agriculture. Alors bon, je me suis dit que j'allais pas non plus rester sur l'île artificielle en permanence pour regarder le blé pousser. Donc je pense refaire une expédition sur l'île lointaine là-bas, enfin sur le continent plutôt. Donc cette fois je vais y aller avec le lit. Et le but, bah, ce sera de récolter 50 graines. Pas une de plus, pas une de moins. Bon, peut-être une de plus, mais ça on verra. Voilà. Comme ça au moins, ça m'occupera, ça vous occupera aussi. Et ça m'évitera de snagner sur ma petite île en attendant que tout ait poussé. Après ça, que ce défi, bon, a quand même duré un certain temps, parce que bon, il a fallu que je plante, que je laisse pousser. M'attendais un peu plus de danger, mais bon, vu que sur l'île j'ai aucun monstre, et ben, le défi devient un peu plat. Donc là, je vais récolter les dernières graines qui me manquent, attendre que ça pousse, et je pense qu'on aura donc terminé le défi, car le but c'était de faire un champ géant. Et en ayant planté deux champs, et ben, le champ est très grand. Ce qui fait que j'ai réussi le défi. Bon, après, je dis défi. Le défi vient qu'il a fallu de la patience pour planter tout ça, pour construire. Et le fait que ça soit en extrême, c'est-à-dire qu'il y a un monstre qui sera arrivé sur mon île, bah, je me serais fait dézinguer. Tout simplement. Donc, là, je vais récolter les dernières graines. Et descends de ton bateau, toi. Yo-ho-ho. Et voilà. Maintenant, le but, ça va être d'en récolter un maximum. Donc mon bateau est ici. Ouais, je vais plutôt l'avancer. Aïe. Voilà. Bah, de toute façon, j'avais dit que ce serait un défi assez pacifique. Donc c'est sûr que niveau monstre, bon là j'irai plus loin, c'est sûr que niveau monstre, fallait pas s'attendre à beaucoup de choses. Mais je vous promets que pour le prochain défi, ce sera donc ce que j'appelais le défi... Attends, je suis plutôt allé là-bas. Le défi avec un peu plus de violence. Donc c'est sûr que le prochain défi n'aura rien à voir, mais ça je vous expliquerai quand j'aurai terminé celui-là. De toute façon, vous le verrez assez vite sur la chaîne. Voilà, allez hop, le bateau, on l'arrête là. Alors, de l'herbe, de l'herbe, de l'herbe. J'ai l'impression d'être un dealer qui charge de l'herbe en fait. Ouh, plein de... Oh, des cochons. Que je ne peux pas manger. Oui, je prends les fleurs aussi, hein. Je prends tout. Alors, autant des fois les plantes peuvent être généreuses, autant là, des fois c'est vraiment les radines, quoi. Ouh, ça va être la foire là. Ah oui, effectivement, ça va être la foire aux graines. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de casser toutes les herbes. J'ai l'impression d'être au paradis là. En fait, il n'y a que moi que ça choque de trouver des graines de blé dans dans de l'herbe, tout ce qu'il y a de plus simple. Si ça vous ennuie de me voir récolter de l'herbe, vous pouvez avancer la vidéo à une minute. Je pense que j'aurai tout récolté d'ici là.
entendu un village. Ah, je pensais pas qu'il y avait un village dans le coin, tiens. Mais bon, peu importe. Je suis un ermite. Ah, voilà, 50 graines. Oula. Eh ben, je vais. Ah! Avance, voilà. Ben, c'est bon, je vais pouvoir rentrer sur mon île. Même avant la nuit, si j'ai de la chance. Par là. Bon, logiquement, j'ai assez pour tout planter. Ouais, par contre, là, j'ai un peu dévié. Mon île est là-bas. Voilà. On commence à voir là. Non. Effectivement, j'ai dévié là. Hop, demi-tour. C'est par là que ça se passe. Ah, voilà. Il y a un amas de poulpes ici. Trois, deux, un, on s'éjecte. Wahaha. Oui, j'ai fait ma bêtise, je suis content. Par contre, c'est vrai que souvent quand on descend là, ça a tendance à péter les récoltes. Bon, eh bah. Monsieur, dame, on dirait que je suis arrivé à la compléter. Oui. Eh bah, le champ est complet. Maintenant, je propose qu'on fasse passer le temps jusqu'à ce qu'il soit complètement poussé. Ah, tout est là, hein, y a... Bon, ça, cela dit, je pourrais le compléter aussi, tiens, tant qu'à faire. Façon, ça poussera pendant notre interlude. Éviter de mettre un cactus ici. Bon, ici c'est wood. Bon, bah écoutez, on va faire une pause ici et je vous dis donc à tout de suite pour la finalisation du défi. À tout de suite. Et re, donc on se retrouve bah, avec le champ qui a totalement poussé. Alors je dis totalement, mais il se trouve qu'il y a des herbes qui curieusement ne veulent pas bouger d'état. Pourtant si je tape dedans, ça récolte du blé, hein, y a pas de problème. Mais je sais pas pourquoi, elles ont refusé de devenir jaunes. Bon. De toute manière, l'objectif est accompli.
Le champ a totalement poussé. Comme c'était donc prévu à la base. Voilà. Comme vous pouvez le voir, tous les carrés sont plantés. Il y a toujours ces petites plantes vertes qui refusent de pousser. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai attendu 5 jours. Et ça refuse de bouger. Donc, bon. Comme je ne vais pas non plus réaménager tout le champ pour 2-3 plantes. Bon, ça a été un défi assez facile quand même. Enfin, sauf pour le côté aller chercher les plantes et devoir construire toute l'île. Mais bon, au moins, ça a été un peu plus simple à réaliser. Hop là. Donc, ce défi se termine là. Le prochain sera beaucoup plus agité, beaucoup plus violent. Et ça, vous le verrez très bientôt, car je le tournerai dès lundi. Même un peu avant, on verra. Allez, je vous dis à la prochaine, et profitez bien de Minecraft.